Salut tout le monde, c'est ZDRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la carte Shadows of Evil pour sortir de la carte. Donc ce glitch consistera à se téléporter en dehors de la carte grâce à la bête. Vous allez voir ça, c'est pas très compliqué et on peut vraiment aller sur des spots de fou grâce à cette nouvelle méthode de téléportation. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'endroit le plus facile à réaliser. Donc il se trouve au canal et une fois au même endroit que moi dans la vidéo, vous devrez rester appuyé sur carré pour activer la bête et rapidement après vous devrez sauter tout en avançant. Donc en fait vous allez activer la bête et en même temps vous allez sauter derrière les barrières. Et normalement, une fois que vous aurez fait cela, vous aurez juste à revenir en tant que humain et vous allez apparaître soit sur les caisses ou sur un espèce de mur qui vous permettra d'aller sur un petit spot en dehors de la carte. Donc là, je vous ai montré la façon d'y arriver pour aller sur le petit muret en dehors de la carte. Et maintenant, là, je vais vous montrer comment aller sur les caisses pour attirer les zombies. Donc c'est la même méthode, vous restez appuyé pour activer la bête et juste après vous allez sauter et par la suite vous devrez juste revenir en tant que humain et normalement vous serez donc sur les caisses. Donc après, ce glitch fonctionne à beaucoup d'autres endroits que je vais vous présenter tout de suite, mais ils sont un peu plus difficiles à réaliser. Donc pour le canal vous aurez juste à faire cela, mais si vous souhaitez augmenter vos chances de réaliser le glitch aux autres endroits qui sont vraiment beaucoup mieux, et ben quand vous allez activer la bête, juste après vous allez lancer une grenade. Donc vous allez rester appuyé sur R1 et par la suite et ben vous devrez faire comme avant, c'est à dire sauter tout en avançant. Après il faut savoir que c'est une manipulation à prendre en main, mais je peux vous dire qu'avec la grenade vous aurez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et donc pour ceux qui n'ont pas compris le système du glitch, comme tout le monde le sait, quand vous êtes en mode bête, et ben vous avez aucun mur transparent. Et en fait, eh ben, ce glitch permet de ne pas avoir de mur transparent comme en mode bête pendant environ une seconde, ce qui nous permet d'aller en dehors de la carte ou sur des spots. Donc en gros, dès que vous allez activer le mode bête et que vous allez lancer une grenade en même temps, vous allez pouvoir apercevoir que pendant environ une seconde, eh ben, le mode bête ne sera pas vraiment activé parce que déjà, elle ne va pas crier et vous allez pouvoir le voir à l'écran que ben, l'écran ne sera pas un peu vert. Et c'est pendant ce petit temps où le mode bête n'est pas vraiment activé qu'il faudra courir et sauter sur les spots ou en dehors de la carte. Et après, eh ben, si vous l'avez bien fait, dès que vous allez quitter le mode bête, vous allez donc apparaître en mode humain. Là, vous avez sauté parce que quand vous avez sauté sur les spots, par exemple, eh ben, vous étiez mi-bête et mi-humain. Donc, c'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que quand vous allez le réaliser, vous allez vite fait comprendre. Donc, pour avoir ce petit bug d'environ une seconde qui permet d'être en mode mi-humain et mi-bête, et ben il faut avoir pas mal de chance. Moi pour ma part ça marche une fois sur 30. C'est pour cela que grâce à la grenade ça marche une fois sur 2, voire pratiquement tout le temps du moment où vous le faites bien, et ben ça fait bugger le mode bête et ça vous permettra donc d'aller sur des magnifiques spots comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Au passage, faites très attention aux dead barrières. C'est en fait quand vous sortez de la carte, il y a des endroits où ça va directement vous tuer et vous allez passer en mode spectateur. Comme vous aurez pu le voir quand j'étais à Waterfront et que j'étais sorti en dehors de la carte, et ben ça m'est arrivé. C'est pour cela qu'il faudra faire très attention à ne pas aller trop loin parce que les sorties de cartes sont vraiment restreintes. Donc il faudra vraiment faire très attention à ne pas trop sauter et à ne pas trop s'écarter de la carte. Sinon vous risquez de vous prendre une dead barrière qui va directement vous tuer. Donc voilà, c'est un glitch à prendre en main qui marche normalement sur toutes les consoles. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas vraiment facile, mais je peux vous garantir qu'avec la grenade et le bon timing, eh ben, je peux vous dire que vous allez y arriver vraiment facilement. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus, ça me fera super plaisir de votre part. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Facebook. Les liens se trouvent en description de la vidéo. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde. Bye.